L'administration des douanes est donc une administration de Bercy qui est donc contrôle les flux de marchandises pour assurer normalement la santé et la sécurité des citoyens, donc la conformité des produits. Donc elle s'inscrit, la douane s'inscrit complètement dans le schéma de la mise en œuvre de l'application de la réglementation REACH, puisque donc le moment du dédouanement est le moment propice pour faire les contrôles de marchandises, mais aussi on a un rôle pour accompagner l'entreprise au mieux dans l'application des directives communautaires. Alors les nouveaux défis, c'est de fait, il faut aussi aujourd'hui répondre à plusieurs enjeux. L'enjeu sociétal, hein, qui est la protection du consommateur, et il y a une très forte demande. L'enjeu environnemental, qui aujourd'hui est au cœur de nos préoccupations. Et évidemment, l'enjeu syndical, qui est aussi celui de la protection des salariés, des travailleurs et des douaniers qui font les contrôles de ces marchandises. Et dans une mondialisation qui se développe de plus en plus, il faut absolument que la douane continue, se renforce et continue de pouvoir faire les contrôles de ses marchandises en partenariat avec les services des laboratoires des douanes pour s'assurer de la conformité des biens qui sont mis à la consommation sur le territoire. J'ai envie de dire qu'il faut absolument renforcer cet appareil d'État, donc renforcer les dispositifs douaniers. On a un magnifique outil, le Code des douanes de l'Union, on a des magnifiques réglementations et notamment REACH en fait partie. Donc on a des outils à notre disposition. Maintenant, il faut les moyens pour les mettre en œuvre. Donc il faut absolument renforcer notre rôle de police de la marchandise pour assurer la santé, la sécurité des citoyens partout sur le territoire de l'Union.